Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, je vous ai apporté une solution. Mais déjà, c'est quoi le problème? Je vous explique. Vous avez une connexion Internet chez vous à la maison et vous utilisez cette connexion. C'est bien, vos enfants aussi utilisent cette connexion. C'est aussi bien. Mais par exemple, vous voulez bloquer quelques catégories de sites web. Par exemple, vous voulez bloquer la catégorie porno. D'accord? Donc, vos enfants ne peuvent plus accéder à ces sites web. Vous voulez par exemple bloquer les sites web de type jeux en ligne, si l'un de vos enfants est un obsédé des jeux, d'accord? Donc, pour ça, vous allez utiliser un logiciel qui est gratuit sur Internet, qui va à chaque fois que votre enfant, chaque fois qu'il va entrer l'adresse du site web, il va classer cette adresse automatiquement et selon votre choix et votre configuration du logiciel, il va soit permettre ou bien bloquer l'accès à cette adresse. D'accord, donc on va directement télécharger ce logiciel. C'est un petit logiciel. Il s'appelle K9 Web Protection. D'accord. Vous voyez bien ce lien www.canoffreprotection.com. C'est un logiciel gratuit, il est efficace, il est très utile. D'accord? Vous pouvez l'utiliser aussi pour surveiller l'accès internet de vos employés ou bien pour filtrer aussi l'accès internet de vos employés si vous avez une petite entreprise. D'accord? Et on va télécharger ce logiciel. On va directement sur le lien Download Software. Vous allez généralement cliquer sur ce lien si vous avez un PC classique, d'accord? Moi, j'ai déjà téléchargé ce logiciel. D'accord? C'est un petit software de 700 ou bien de 800 kilos. D'accord? Mais pour que ce logiciel fonctionne, on a besoin d'une licence. On va voir après comment obtenir cette licence. Alors, commençons par l'installation. Elle est simple, type suivant. Il va juste nous demander d'entrer quelques informations pour nous envoyer la licence. D'accord? Ici, il nous demande d'entrer la licence. Pour obtenir la licence, il suffit de cliquer ici. Il va nous demander quelques informations du type nom, prénom, adresse email et il va vous envoyer la licence instantanément sur votre adresse email. D'accord, donc nom, prénom, votre email, vous confirmez et vous cliquez sur Request License. Et puis vous allez ouvrir votre boîte à email. Vous allez trouver un message qui contient la licence qui ressemble à ça. Donc vous devez être connecté à Internet pendant l'installation parce que maintenant il va se connecter sur le site de l'éditeur et il va valider votre licence. D'accord? Donc ça va prendre un peu de temps, le temps de valider la licence. Et après l'installation, il va nous demander de redémarrer le PC. Donc c'est pourquoi cette formation est divisée sur deux parties. La première partie est l'installation. Après, je vais redémarrer mon PC. Et ensuite, on va voir ensemble comment configurer les différentes catégories selon notre choix de bloquer quelques-unes. Alors, ici, il nous demande un mot de passe. C'est quoi ce mot de passe? Ce mot de passe, c'est le mot de passe de l'administrateur du logiciel. Donc, c'est votre mot de passe.
qui va vous permettre de modifier votre choix de catégorie. D'accord? Donc c'est un mot de passe qui ne doit pas être simple. C'est pas votre nom, c'est pas votre prénom, c'est pas votre numéro de téléphone, d'accord? Et aussi c'est le mot de passe que vous allez utiliser si vous voulez désinstaller ce logiciel. Donc pendant la désinstallation, il va vous demander ce mot de passe. Installer. D'accord. Allez-y. Suivant. Et vous voyez bien qu'il vous demande de redémarrer votre machine. Donc je vous retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite.